Oh yeah! Welcome you back! Preview de la semaine. Pas de grosses nouvelles cette semaine, mis à part que la neige fond pas mal de ce temps-là. On devrait commencer la construction de notre cours de Spartan au Siberia Spa dans cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, on va vous tenir au courant des modules qu'on va commencer à construire. Là. Mais bref, ce qu'on veut faire, c'est amener les cours pas mal juste à l'extérieur. Puis de répliquer une course obstacle. Donc, ça va être très, très cool. Puis dès qu'on a les modules de prêt, on va venir informer. On va avoir du gros fun cet été au Siberia. Ça nous amène aussi à un temps de l'année où on va commencer à courir plus à l'extérieur, soit dans les réchauffements ou dans les workouts. Donc, prévoyez-vous une petite laine, un petit coupe-vent, parce que si c'est au programme, on court aussi, il fait beau, à moins que ça soit l'apocalypse. Là, mais s'il pleut pas, puis on peut courir dehors, fait qu'on y va. Donc, prévoyez le coup. Alors, cette semaine, on a deux circuits de force. Ça va travailler en complément de ce qu'on a fait la semaine passée. Donc, toujours sur le même format. Donc, les circuits de force cette semaine sont le lundi et le vendredi. Et donc, demain, on commence avec un circuit de force, surtout sur le squat, dumbbell step-up et handstand push-up. On va travailler ces deux trucs-là. Ensuite de ça, on va terminer ça avec un AMRAP 12 minutes. Snatch. Ça va, Victor? Oui, ok. On va avoir des hang power snatch, c'est-à-dire avec deux mouvements de body weight. Donc, beau mouvement technique avec deux mouvements de body weight, ça va être cardio pas mal. Mardi, 6 rounds. Il y a une barbelle là-dedans. On va être sur un format de travail-pause. Ça va durer au-dessus de 25 minutes, tout ça. Donc, on est dans une zone rouge. Ça va être assez cardio. Donc, on a une barbelle là-dedans. On a des burpees. Puis, on a du core. Un mouvement de core, c'est pas de la planche. Fait qu'on a ça pour mardi. Mercredi, AMRAP, 19 minutes. C'est un med ball party. Deux mouvements avec un med ball et avec du power clean. On termine ça avec un Tabata. Jeudi, on va voir les skills du overhead squat. De quelle façon on place la barre au-dessus de notre tête, de quelle façon on positionne nos épaules, de quelle façon on descend. On va voir ce mouvement-là qui est assez complexe. On va voir en fait les skills over squat. On va avoir un lift avec ça, avec l'over squat. Ou un similaire si vous n'êtes pas en mesure de le faire. On termine ça avec deux AMRAP de 6 minutes. Paquet de mouvements là-dedans. Là. Il va y avoir du rameur, il y a une barbell, il y a des handstand push-up, plus deux autres mouvements de body weight. Donc, dans ces deux-là aussi, on est dans une red zone très cardio. Vendredi, circuit de force, comme je parlais plus tôt. On va travailler vos press et vos deadlifts. Et on va avoir un AMRAP 12 minutes. Clean and jerk, core and cardio. Avec le triple C qu'on va avoir là vendredi. Donc, c'est votre semaine de training. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!